Rome triomphait partout. Les peuples d'Europe, d'Afrique et d'Asie s'inclinaient devant son pouvoir et subissaient son charme. Sa puissance défiait les siècles. Et l'on disait que lorsque Rome disparaîtrait, le monde cesserait d'exister. César. César. Cette mer, voilà tout ce qui nous sépare de la Bretagne et de la gloire, mon cher Claudius Valerius. Qui sait si les dieux nous seront favorables? César, les dieux t'aiment et t'aimeront encore. Oui, peut-être, et cependant leurs desseins sont souvent mystérieux. La mer est étalée, ce calme est de bon augure. C'est le cœur, ami. Mon cœur est angoissé, incapable de trouver la paix. Ce laurier n'est que le symbole d'une gloire fugitive. Non, c'est le symbole de ta gloire éternelle, parce que nul n'est plus digne de la porter. Un jour, tu porteras cette couronne. Ce jour-là, je serai si fatigué. Quelles sont les nouvelles de Rome? Caius Oppius vient d'arriver. Ah. Rentrons au camp et que l'on prépare les jeux en son honneur. Je te verrai plus tard. Bienvenue à toi, Caius. Bienvenue. Félicité pour toi et mille victoires, César. Mille victoires. Sur les hommes et sur les femmes. Mille victoires. Cela va dépendre des batailles qui se sont livrées au Sénat. Eh bien? Je n'ai pu, hélas, combattre seul tous les ennemis de César. Sont-ils plus nombreux que ses amis? Non. Mais ils leur sont supérieurs dans les joutes oratoires. Cicéron. Cicéron? C'est mon ami et c'est aussi mon ennemi. Le père de la patrie. Un grand orateur et un grand patriote.
Mais qui ne veut pas comprendre et qui préfère ignorer mes propositions au lieu de les écouter? Non, inutile de le dire. Ils ont refusé de lever les légions que j'ai demandées, et leur aveuglement est dicté uniquement par la peur. Ils ont peur de mes succès et haïssent ma gloire. Laisse-moi t'expliquer, César. Le Sénat a l'intention de discuter la question. Mais il n'approuvera jamais ton expédition en Bretagne. Tu as la guerre dans le sang, César. Cicéron et tous les sénateurs qui le suivent se disent amis de César, mais ils sont hypocrites et faux. Je sais que mon ambition les effraie. Mais ne voient-ils pas que cette ambition est la leur, qu'elle est pour la gloire de Rome? Toi non plus, tu ne me crois pas. Mais j'irai conquérir la Bretagne envers et contre tous. Pardonne-moi, Caius, tu dois être fatigué. Un peu de vin? J'ai chevauché de jour et de nuit de peur que tu ne t'embarques sans que je puisse parler avec toi. Jusqu'à aujourd'hui, certains signes ont grandement contribué à me retenir en Gaule. C'est à cause d'eux que j'ai patienté. J'y voyais une sorte d'avertissement, un avertissement des dieux. Comme s'ils souhaitaient que je demeure sur le continent pour quelque temps. Mais dans quel dessein? Je l'ignore, Caius. Les choses sont ainsi. La charge de César est lourde à porter. Et une extrême prudence doit guider ses moindres gestes. Mais je vais conquérir la Bretagne, j'en ai pris la décision. Ah. Les jeux commencent. Allons nous divertir. Bien. Tu paries sans sesterce que le Gaulois battra le Germain. Je parie. Sans sesterce sur le Germain. Récompensé, je te rends ta liberté. Quel est ton nom, esclave? Vercingétorix. Vous informer que le consul César a besoin de nouvelles légions. Éclaire-nous, Pompée. Est-ce toi qui demandes ces nouvelles légions?
ou est-ce lui qui les exige? Réponds. Je n'aurais jamais formulé une telle exigence. Mais où est donc César? Pourquoi n'est-il pas ici? Il devrait être présent pour justifier sa requête et ses opérations militaires. Et pourtant, il est en Italie. Pompée nous dit qu'il vient de présider les fêtes annuelles d'Assise. Mais il n'est pas ici, à Rome, au sein de cette assemblée. Pourquoi? Peut-on le savoir? Redoute-t-il d'avoir à relater ses opérations en Bretagne, ou peut-être a-t-il peur de parler de la révolte qui ensanglante la Gaule? En gardant le silence, n'essaie-t-il pas de se placer au-dessus et en marche de l'autorité de Rome? César dédaigne le Sénat, mais il exige de nouvelles légions. Sénateur, César est assurément un grand général, mais pour lui, il n'existe pas d'autres obligations. Il a consacré peu d'argent et engagé peu d'amis pour soutenir son élection au consulat. Son intérêt le portait vers les provinces de la Gaule, provinces très riches et dont les villes recélaient d'alléchants trésors. César est accusé injustement. Et au lieu de l'accabler, on devrait se souvenir que par son génie militaire, il a pu conquérir toute la Gaule. Et comme à chacune de ses conquêtes, beaucoup d'or est venu remplir les caisses de l'État. César est incapable d'agir pour son intérêt personnel et il ne décide qu'après mûre réflexion. Je connais ta fidélité à César. Ce noble sentiment, qui témoigne d'une belle amitié, te fait honneur. Et à cause de cela, Caius Oppius, tu risques fort de compromettre sa position. Si César avait mûrement réfléchi, comme tu le dis, pourquoi donc a-t-il entrepris l'invasion de la Bretagne sans tenir le moindre compte de l'avis du Sénat? Parce que César se place au-dessus des intérêts du Sénat. Il n'agit qu'en fonction de la grandeur de Rome. Nous accusons de mépriser la grandeur de Rome? Il t'explique! Des preuves! Des preuves! Des preuves! Je demande que le consul Caius Jules César soit immédiatement rappelé à Rome pour rendre compte de toutes ses opérations militaires. De ton attitude. Le sacrifice que César me demande est trop pénible. Je ne puis épouser un homme que je ne connais pas. C'est le plus fidèle et le plus loyal des lieutenants de César. C'est un noble patricien d'une illustre lignée. Songe que Rome tout entière t'honorera comme l'épouse du frère de Cicéron. Mais je ne l'aime pas. Oh, l'amour. L'amour viendra plus tard. C'est au cours de ta vie maritale que tu apprendras à apprécier et aimer ton mari. Et si j'en aimais un autre? Un autre? Oui. Tu te souviens, il y a 3 ans à Lucca, lorsque César rencontra Pompée aux Assises, nous y étions toutes les deux. Ce fut la dernière fois que je vis César. C'est là où je connus Claudius Valerius. C'était un officier de la suite de César. Oui, je m'en souviens. Nous nous sommes promis l'un à l'autre et nous nous sommes jurés fidélité pour la vie. Ce n'était qu'une flamme de jeunesse, Publia. Mais non, c'est très sérieux, Calpurnia. Claudius est toujours présent, quoi que je fasse, où que j'aille. Et je sais que durant ces années, il ne m'a jamais oublié. Il faut que tu renonces à lui, mon enfant. Ce n'est pas la première fois qu'il ait demandé à une femme un tel sacrifice. César a besoin de conclure une alliance avec la famille de Cicéron, car c'est le seul moyen de gagner son amitié. Et tu sais que César t'aime comme sa fille. Nous te voulons heureuse. Penses-tu que ton bonheur nous est indifférent? Qui a-t-il, Clélia? Caius Oppius désire que tu le reçoives. Ce qu'il vient te dire est de la plus haute importance. S'il entre, on reste, Publia. Salut à toi, Calpurnia, et à toi aussi, Publia. Eh bien? Rien, hélas. Marcus Tullius Cicéron a été vraiment implacable. Je n'ai réussi à obtenir qu'un répit. Le Sénat a consenti à attendre 2 jours avant de rendre sa décision. Mais l'issue de ses délibérations est dès maintenant connue. Il sera ordonné à César de rentrer à Rome. César refusera de se plier à un ordre aussi humiliant. Alors nous irons vers la guerre civile. J'ai pris ma décision. Calpurnia, je pars.
Je me rendrai en Gaule et j'épouserai Quintus Cicéron. Pourvu que son sacrifice ne soit pas inutile. Ne crains rien, Calpurnia. Il faut que Publia parte aujourd'hui même. Et dès demain, je porterai la nouvelle à Marcus Tullius Cicéron. Il est particulièrement sensible à ce qui touche sa famille. Tu verras que ce sera lui-même, le célèbre avocat, qui insistera sur la nécessité de la présence de Jules César en Gaule. Que les dieux nous soient favorables. Baronne, écoute. J'ai un message à envoyer à ton consul, Quintus Cicéron. Dis-lui que ma pupille Publia fait route vers lui et le rejoindra incessamment, et que leur mariage devrait être célébré au plus tôt. Voilà, Baronne, c'est tout. Va maintenant. Pardonne-moi, César. Oui, Claudius. As-tu réfléchi? Tu fais courir à Publia de graves dangers. Ne crois-tu pas que la Gaule, en ce moment, n'est guère indiquée pour un voyage de plaisance? Ne crains rien. Les légions de Quintus Sabinus assureront sa protection. Elle ne court aucun risque. Tu en es sûr? Absolument sûr? Elle sera en sécurité. Mais elle va se marier. Ami Claudius, c'est une nécessité. Une triste nécessité. La politique impose de tels sacrifices. César, tu as compris, je crois. Tu as compris les sentiments que je ressens. Quiconque a aimé dans son cœur, a souffert dans sa chair, a connu ta solitude. Je le sais mieux que personne, Claudius. Livius, Fabius, Carimus. Jules César à Caius Oppius. Salutations. Les nouvelles que tu m'as fait parvenir me remplissent de joie. Je prévois que le mariage de Publia sera aussi heureux que profitable. Ma bien-aimée Calpurnia, je te salue de toute ma grande affection. Je me sens tellement seul loin de toi, et notre longue séparation me pèse lourdement. Tout désormais semble avancer dans une harmonie totale. Je savais que je pouvais compter sur toi et sur notre bien-aimée pupille Publia. La Gaule est divisée en trois parties. Dans la première habitent les peuples belges, dans la seconde les Aquitains et dans la troisième des hommes de langue celte que l'on nomme Gaulois. Ces Gaulois sont forts, intelligents, audacieux et belliqueux. Claudius Valerius, César te demande. Toi, Mousse, laisse-moi ta missive. Envoyez la lettre à Calpurnia et à Caius Oppius. Allez. Ah, Valerius. Choisis 10 hommes parmi les plus braves. Nous partons. Où vas-tu nous emmener? En Gaule. En Gaule, avec 10 hommes seulement? Oui, Valerius, je viens de décider. J'entrevois très clairement le dessein des dieux. La situation est simple. Si j'étais resté en Bretagne, Vercingétorix n'aurait pas osé ce qu'il a osé. Et maintenant? Nous le frapperons au moment où il s'y attendra le moins. Tu vois, Valerius, voilà ce qui arrive lorsque le destin d'une nation est ainsi laissé entre les mains de politiciens sans envergure. Le Sénat, en me refusant de nouvelles légions, va me permettre d'étouffer définitivement la révolte des Gaulois. Ainsi, je réduirai les sénateurs. Je sauverai l'honneur de Rome et je montrerai que ce qu'a dit Pompée n'était que mensonge. Alors ils n'oseront rien refuser à César qui aura vaincu Vercingétorix. Comment ferons-nous pour passer en Gaule? On dit que l'ennemi est partout. Nous allons franchir les monts Cévennes. Mais c'est impossible. Cela semble impossible. Viens, je vais te montrer quelque chose. J'ai conçu ce plan. Ici se trouve Marcus Lavinius. Là, les légions de Titus. Ici, la garnison de Quintus Cicéron. Nous allons converger vers cette région. Et ensemble, nous lancerons l'attaque. Mais les montagnes.
Elles ne sont pas infranchissables. Garde ta confiance intacte. Et Quintus Sabinius? Il devra tenir sa position coûte que coûte, pour nous garder une voie de repli en cas de nécessité. Allons, reprends courage. Je compte sur toi. Je ressens une telle lassitude. Tu es un ami de César, aie confiance. Nous voici arrivés. Oui, César. Mais quelle solitude. Nous sommes en Gaule. Claudius Valerius. Regarde. Regarde cette cabane. Qui peut bien vivre dans un pareil endroit? Allons voir. Les hommes sont fatigués. Ils auraient besoin de repos. Venez. Avancez. Salut à toi, vieillard. Peux-tu nous donner asile pour cette nuit? Oui, un peu. Cherchez Publius et Donisius. Je te suis reconnaissant. Merci. Portez les blessés à l'intérieur. Là dehors, il y a deux blessés. Peux-tu les soigner? Il y a des plantes dans la montagne qui guérissent les blessures. J'irai les cueillir. Tu es un brave homme. Comment puis-je te récompenser? Elle avait un il y a très longtemps et il me servait souvent. Hélas, il s'est brisé. Il est à toi. Allez, avancez. Et toi, César? Ta place est à l'intérieur. Nous resterons dehors. Ne t'inquiète de rien. Les blessés doivent dormir à leur aise. Repose-toi. Je te les confie, brave homme. Je sais qu'ils guériront. Ce sont des ordres formels, Quintus Sabinus. Tu dois résister dans le camp fortifié jusqu'à ce que César en ait décidé autrement. C'est très bien, Cornelius Crispus. Pas maintenant. Je vais donner des ordres pour renforcer les avant-postes. Non, c'est inutile. Nous ne résisterons pas dans ce camp retranché. Mais que fais-tu des ordres de César? César n'est pas ici. Il ignore tout de notre véritable situation. Mais je pense qu'il a disposé son plan de bataille et qu'il doit compter sur nous. Si nous restons enfermés ici, nous risquons d'être tous inexorablement anéantis. Mais ce sera pour la gloire de Rome. Ou pour celle de Jules César. Qu'as-tu l'intention de faire? J'exécuterai tes ordres.
J'ordonne que la Légion s'apprête à partir pour l'Italie et que le camp soit incendié. Mais c'est une trahison, Lucius Cotta. Dois-je te rappeler qu'ici, c'est moi qui suis le commandant? Et que si tu refuses de faire exécuter mes ordres, c'est toi qui nous trahis. Quand désires-tu que nous partions? Demain matin, à l'aube. Bienvenue, Astrid. Que désires-tu? Je suis venue pour t'offrir mon aide. Pourquoi la reine d'un si grand peuple accepterait-elle de nous aider? J'ai de la haine pour Rome. Mon peuple souffre sous la domination des Romains. Ils ont tué mon père. Ils ont fait des massacres sur mes terres. Moi seule, je suis peu de chose pour m'opposer à eux. La lutte sera longue, Astrid, et incertaine. La guerre n'est pas un métier qui convient à une femme. Les lois qui la régissent sont des lois cruelles. J'étais une enfant lorsque j'ai connu ces horreurs. Laisse-moi combattre à tes côtés, que je partage avec toi les angoisses de cette lutte, et que je puisse venger mon peuple. Alors soit, comme tu voudras. Allons, tu vas cracher, maudit chien. Tu vas cracher sur ces insignes. Sinon, je te ferai regretter d'avoir survécu à la bataille. Tu entends ce que je te dis? Crache! Eh bien, qu'attends-tu? Mais crache donc, maudit! Vengeur perce le cœur maudit de César. Salut à toi, Vercingétorix. Salut à toi, futur chef des Gaules. Salut à toi. Moi et Viridomarus sommes venus t'apporter notre sincère hommage et l'adhésion totale de notre peuple. Et où sont vos soldats? Pourquoi êtes-vous venus sans vos cavaliers? La forêt pullule de toutes sortes de guerriers, mais je n'ai pas vu les Édouins. Nous ne pouvons pas nous déplacer sans que les Romains ne nous soupçonnent. Ils croient que nous sommes leurs alliés. Je sais que durant des années, vous avez combattu avec César. Et c'est par la faute de traîtres comme vous que la Gaule a été soumise. Que voulez-vous? Vercingétorix, lorsque tu seras devenu chef des Gaules, qu'adviendra-t-il alors du peuple édouin? Tous les autres chefs ont accepté de me soutenir et ils n'ont rien exigé. Ta victoire est encore lointaine, Vercingétorix. Et nous connaissons bien Jules César. César est à Rome. Un de ses consuls qui lui demandait de l'aide, il a répondu qu'il était immobilisé. César est en Italie et deux jours après, on le retrouve au pays belge. Tu y vas pour le traquer et il est déjà en Aquitaine. Il se déplace d'un lieu à l'autre avec la rapidité du vent. Les forces de César diminuent tous les jours. Il a besoin de nous. Notre contribution te sera très profitable. Aussitôt que César sera convaincu que notre amitié lui est acquise, c'est alors que non seulement nous ne le soutiendrons plus, mais nous retournerons nos armes contre ses légions. Pense à cela, Vercingétorix. Alors soit. Que demandes-tu? Tu nous donneras l'or romain qui est amassé à Gergovie. C'est un prix énorme. Pas autant que l'aide que nous t'apportons. Qui de vous restera en otage afin de garantir ce pacte? Je revendique l'honneur de demeurer à tes côtés, Vercingétorix. Allez! Vercingétorix. Ah, c'est toi, Astrid. Tu es venu, toi aussi, demander une récompense pour l'aide que tu m'apportes.
Je n'ai rien à te demander, Vercingétorix. Tu es le seul homme qui a osé s'opposer à la puissance de César. C'est toi qui vengeras tous ceux qui sont opprimés et humiliés. Tu es belle, Astrid. Trop belle pour connaître les horaires du champ de bataille. Je ne crains rien avec toi, Vercingétorix. Et si je reste à tes côtés, je surmonterai tous les obstacles. Car ta présence valeureuse soutiendra ma haine de l'envahisseur. Tu es belle, Astrid. Peu importe. Il me suffira d'être à tes côtés. D'apprendre que nous touchons à la fin du voyage. Dans quelques heures, tu seras auprès de Quintus Cicéron. Je te remercie. Je commençais à me demander si nous allions finir nos jours dans cette charrette. Cela fait trois nuits que ces maudits moustiques ne m'ont pas laissé fermer l'œil un instant. Cesse de te plaindre. Veux-tu me passer le miroir? Merci. Puisque nous touchons au but, le devoir nous impose de nous faire belles. Ils sont partout. C'était ta légion? Oui, 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 je suis un des soldats de Quintus Sabinus. Tous morts, tous massacrés. J'aurais voulu être mort aussi. Les Gaulois m'ont capturé et m'ont crevé les yeux. Où est César? Pourquoi nous abandonne-t-il? Dites-lui de revenir et de nous venger. Lui seul! Sera forte par ses institutions et par ses armes. Et tu seras notre roi, Vercingétorix. Oui, si le peuple demande que je le sois. Vercingétorix, nous venons de capturer deux otages de choix.
es-tu, femme? Je suis une citoyenne romaine. Et comment te nomme-t-on? Publia, la pupille de Jules César. Comment se fait-il que César t'envoie en Gaule? Est-il tellement sûr de lui? Sais-tu que tu aurais pu te faire massacrer par mes hommes? J'aurais préféré mourir 1000 fois, plutôt que d'être livré à ta merci. Mourir? Et pourquoi? Tu es trop belle pour mourir. C'est toi qui l'as capturée? Oui. Alors je te la confie. Qu'elle soit traitée avec le respect dû à son rang. Tu as compris? Bien. Tu en répondras sur ta tête. Emmène-les. Pourquoi ne l'as-tu pas fait tuer? En tant qu'otage, elle nous sera plus utile. Elle nous sera très précieuse. Un message! Un message des Gaulois! D'autres alternatives. Vercingétorix demande notre reddition contre la liberté de Publia. Je vais lui proposer de me constituer prisonnier à sa place. Toi, Marcus Liborius, tu prendras le commandement. Nous pourrions tenter une sortie la nuit avec une dizaine d'hommes, en nous infiltrant dans leur camp. Non, c'est une pure folie de s'aventurer sur leur terrain. L'exemple de Quintus Sabinus en est la meilleure preuve. Tu entends, Quintus Cicéron, c'est toujours le même cri. Il y a plus d'une heure qu'il est répété. Va chercher le prisonnier gaulois, je vais l'interroger. Ce cri doit avoir beaucoup plus d'importance que nous croyons. Nous allons obliger ce gaulois à nous dire ce qu'il signifie. Ce cri est un signal, qu'est-ce qu'il veut dire? Parle! Tu as entendu, parle ou prends garde. Voyons, parle! Que veut dire ce signal? Réponds! Que veut-il dire? Jules César est de retour en Gaule. Je sais déjà qu'il s'est uni aux légions de Brutus et qu'il vient de remporter une grande victoire à Alvernia. Je sais aussi que la ville d'Avarico a été occupée par les Romains. César est là! Désormais, le devoir impérieux de chacun est tracé. Va transmettre cette nouvelle aux légionnaires. Nous opposerons aux Gaulois une résistance acharnée. Vive César! Vive César! Les dépôts de grains, abattez les troupeaux, rasez les villages. Mais le peuple sera réduit à la misère et à la famine. Non, je ne veux pas que César puisse s'approvisionner. Surveillez tous les cols, les guets et les routes. Je veux être informé de tous les mouvements des légions romaines. Allez! Tout ce que nous avions prévu, Vercingétorix, est entièrement réalisé. César s'est joué de tous selon son habitude. Tu veux dire que tu doutes de ma victoire? Non, nous avons plus confiance que tu le crois. Sauf que je suis convaincu que le moment venu, notre contribution sera sans aucun doute beaucoup plus importante. Je voulais que tu le saches. Je te salue, Vercingétorix. Tu me communiqueras tes ordres.
pour César. Centurion Decimus Silus de la Légion Marcus Labienus. Oui. Marcus Labienus attend tes ordres. Il te fait dire que nos vivres diminuent et que l'ennemi a tout détruit autour de nous. Ne pouvant vaincre par les armes, il cherche à nous affamer. J'en suis déjà informé. C'était à prévoir. Hercinge et Torix me hait profondément. Comme il hait tout ce qui est romain. Où as-tu déjà combattu? En Bretagne, sur le fleuve Sabis et contre les Parisiens. Et tu n'as jamais douté de la victoire? Non, César. Alors, je comprends. Es-tu prêt à partir à l'instant? Oui. Fais-toi donner un cheval rapide et retourne chez Marcus Labienus. Dis-lui de lever le camp immédiatement et de marcher sur Lutèce. Là, il recevra mes ordres. Bien, César. Attends. Prends cette bourse. Je tiens à récompenser ta bravoure et ton courage. Merci, César. Stabilius. Va chercher le centurion Claudius Valerius. Qu'il vienne tout de suite. Tu veux me parler, César? Oui, Claudius. Va porter ce message à Quintus Cicéron. À Quintus Cicéron, moi? Oui, tu lui diras qu'étant donné les circonstances, son union avec Publia ne peut se faire. Oh. À tes ordres, César. C'est une mission que je suis heureux d'exécuter. Ave, César. Ave. Terme de notre voyage. Ce soir, si tout va bien, nous serons chez Quintus Cicéron. Sur ton respect, Claudius Valerius, il y a autre chose qui t'intéresse davantage. Qu'est-ce que tu veux dire? Que la présence de la tendre Publia chez Quintus Cicéron a fait galoper nos chevaux beaucoup plus que nécessaire. Je constate que depuis quelque temps, tu cultives l'insolence. Crois-tu que j'ai tort d'aimer la plus belle fille de la péninsule? Certes non. Entendu? Tirer le cri d'un oiseau. Oui, peut-être, mais nous devons demeurer vigilants. Ah.
pris. Ne bouge pas ou je te tue, chien de Romain. Oh. Oh. Parle donc. Mais parle, sale chien. Que dit ce message? Je te l'ai déjà dit. Il est écrit en grec. Et j'ignore toute cette langue et de son écriture. J'ai dit la vérité. Attends! La prisonnière romaine saura peut-être. J'y avais déjà pensé. Roland, fais venir la prisonnière. Nous trouverons bien quelqu'un dans cette ville qui connaîtra cette langue. Amenez-la! Publia. Claudius! Oh. Vous vous connaissez. Allons, tant mieux. En fouillant cet homme, nous avons trouvé ce message de Jules César. Il est écrit en grec. Traduis-le. Je ne connais pas cette langue. Tous les Romains d'un certain rang savent lire et écrire le grec. Oh. Si tu tiens à lui, si tu veux le sauver, alors parle. Sinon, tu le verras mourir sous tes yeux dans les plus terribles souffrances. Je te l'ai déjà dit. J'ignore la langue grecque. Rodan. Les fers rouges. Oh non. Oh non. Encore. Non. S'il vit pendant 1000 ans, les marques de son supplice lui rappelleront cette journée. Il faut que tu parles. Non. Pitié. Arrêtez. Lâche-la, Bruno. Promets que sa vie sera épargnée. Oui. Oh non. Non, je t'en supplie. Tu ne dois pas parler, Publia. Tu ne dois pas. C'est au-dessus de mes forces. Non. Jules César à Quintus Cicero, salut à toi. Au 10e jour qui suivra le lever de la nouvelle lune, tu quitteras ton camp fortifié. Tu me rejoindras sur la route de Gergovie. César à Gergovie. À Gergovie. Dites à César que tout est calme. Thank you.
Bravo, César. Nous n'avons trouvé aucune trace de Quintus Cicéron. Fasse les dieux qu'il ne soit rien arrivé à Claudius Valerius. Tout est trop silencieux. Qu'as-tu l'intention de faire? Nous avancerons jusqu'à l'entrée de Gergovie. En avant! Que la cavalerie se prépare. Bien, César. Allez. Pour Rome, en avant! Continuez à nous battre. Toutes les légions sont décimées. Tito Sasio cède du terrain. Qu'ils battent en retraite. Sonnez la retraite. César, la légion de Tito Sasio a exécuté tes ordres et a réussi à tromper l'ennemi. Elle a profité de la nuit pour se mettre en lieu sûr. Et Marcus Caton? Son sacrifice a permis à nos hommes de sortir en bon ordre. Va rejoindre Titus Asius. Unissez vos centuries et attendez au bord du fleuve. Je vous enverrai mes ordres. Fabius. Que Marcus Labienus quitte Lutèce et nous rejoigne à Alésia. Nevius. Dis à Eporidorix de faire route sur Alésia. Terentius. Que la légion de Titus Sextus rejoigne par étapes forcées la plaine d'Alésia. Et toi, Marc-Antoine? Oui, César. Combien d'hommes reste-t-il dans ta légion? 200, César. 200? Ils viendront avec nous au camp de Quintus Cicéron. Vercingétorix saura très vite que nos légions font mouvement. Il ne prendra pas le risque de les attaquer. Il concentrera ses forces dans la région d'Alésia, et c'est là que nous l'attaquerons. Et les vivres? Comment nourrir les soldats de toutes les légions réunies? Avec ce qu'ils ont. L'issue de la guerre des Gaules se décidera durant les jours qui viennent. Ton sort est lié à celui de César, Marc-Antoine, et à son étoile. Entrer. Allez, viens. Entre.
que je reste ici. Va. Claudius. Je ne puis continuer à vivre à la pensée que tu me détestes. Que ton cœur peut-être ne ressent plus que du mépris. Ce que j'ai fait, c'était pour toi. La vue de ton corps torturé m'était intolérable. Je t'ai trop aimé, je t'aime encore trop, Publia, pour t'en vouloir. Mais à présent, nous sommes séparés par les cris de joie qui saluent la défaite de César, la défaite de Rome. Non, Claudius, on t'a trompé. César n'est nullement vaincu. Et la victoire de Vercingétorix ne sera qu'un épisode éphémère. Que dis-tu? César est sain et sauf. Oh, Claudius, dis-moi que tu me pardonnes. Sache, Publia, que César annule tes noces et te rend à moi. Et il vaincra, j'en suis convaincu à présent. Nous rentrerons ensemble à Rome. Et le soleil resplendira sur le Capitole quand tu y monteras avec moi. Où se trouve Claudius? Là où se trouve Publia. Pour toute leur vie. Publia, Publia. Dépêchons-nous de rentrer, Publia. Il risque de s'apercevoir de notre fugue. Adieu, Claudius. Sidon, la ville d'Alésia. C'est là que Vercingétorix s'est enfermé. Mais il n'y restera pas longtemps. Ce n'est pas un homme à subir un siège. Il sortira. Il sortira de sa ville et nous affrontera en rase campagne. Ce fait commande notre tactique. Souhaitons qu'il nous laisse le temps de compléter nos préparatifs. Et qu'il nous donne 2 jours. Je ne lui en demande pas plus. Dans 2 jours, la légion de Titus Asius se joindra à nous. Alors, nous serons assez forts pour frapper dès qu'il sortira de sa tanière. Retournez à vos postes. Toutes les heures, nous établirons une liaison. Des messagers relieront tous les postes. Voilà, c'est tout. J'ai fini. Toi, reste. Et Poridorix, tu es venu avec tes guerriers? Où les as-tu groupés? Au milieu de la forêt. La cavalerie édouenne attend les ordres de César. Elle aura à intervenir sans doute au milieu de la bataille. Il se pourrait que son intervention soit décisive. Ce sera toute notre gloire d'avoir contribué à celle de Jules César. Adieu. Qu'est-ce que tu en penses, Quintus Cicéron? Que fera-t-il? Il se dit notre allié. Il le dit. Nous verrons bien s'il le sera. S'il résistera à la tentation de trahir César. C'est au combat que j'estimerai son alliance. Dis-moi, tu sais que Publia est vivante? Oui, je le sais. Je vais te parler en toute sincérité. Quintus, je te demande de renoncer à ton mariage avec elle. Merci, ami. Comment oses-tu paraître devant moi, Bélovac? Tu devais fournir 2000 guerriers et 2000 cavaliers. Combien m'amènes-tu d'hommes? Vas-tu me répondre? 2000 cavaliers en tout, Vercingétorix. C'est tout ce que le peuple a consenti à m'accorder. Cette guerre que nous faisons n'est pas une guerre de conquête. Nous nous battons pour notre liberté.
Allons, qu'on lui coupe la main droite et qu'on le renvoie dans ses terres. C'est ainsi que Vercingétorix se débarrasse des traîtres. Non, non, tu ne peux pas me faire ça. Non, 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 je t'en conjure, non. Aie pitié, Vercingétorix. Quoi? J'ai voulu que tu assistes à nos rites afin que tu sois convaincu de ma puissance. Tous les grands chefs gaulois sont réunis ici. Chacun d'eux représente un peuple. Les Aulerques, les Cadurques, les Gabiens, les Parisis et d'autres, des dizaines d'autres encore. Que pourra faire César devant tous ces guerriers valeureux? Maintenant que j'ai vu, je désire me retirer. J'ai toujours admiré la fierté des femmes de ton rang. Une seule fois, tu as cédé. Mais tu l'as fait par amour. Ah. Jésus, protège-nous, protège nos armées. Ô Dieu Jésus, toi le Tout-Puissant, protège Vercingétorix. Tu as quitté la cérémonie. Je ne pouvais plus supporter ces rites, ces danses consacrées à la gloire de ces barbares. Toi, l'esclave, sors! Je ne sortirai que si ma maîtresse me l'ordonne. C'est moi qui commande ici. Va-t'en. Va, Clélia. Pourquoi as-tu quitté la salle? Le cérémonial pompeux à la gloire de tes armes ne m'intéresse guère. Je suis citoyenne romaine. Tu me plais, je veux que tu le saches, Publia. Aujourd'hui, comme otage, tu ne peux me servir en rien. Mais les dieux m'ont offert une patricienne de la lignée de César. Vercingétorix. Qui a osé? Eporidorix veut te parler, c'est d'une extrême urgence. Et Eporidorix, qu'il entre. Vercingétorix, la légion de Titus Asius qui campe sur le fleuve a reçu l'ordre de rejoindre César dans 2 jours. Je viens de participer à une grande réunion sous la tente de César. Nos 5000 aides-de-main doivent en principe intervenir à ses côtés. Je te conseille d'attaquer avant que César n'ait eu le temps de rassembler ses forces. Que tous les chefs soient convoqués, nous tiendrons conseil. Quant à toi, tu appartiendras au vainqueur. Que désires-tu, Astrid?
Je te hais, Romaine. Je te hais parce que tu m'as volé l'amour de Vercingétorix. Et moi, je le hais autant que tu l'aimes. Tes sentiments ne m'intéressent pas. Je t'offre la liberté. Comment feras-tu? Je t'accompagnerai aux portes de la ville. Tu auras un cheval. Et à l'aube, tu seras déjà loin. Et tu cesseras d'exister. J'accepte à une condition. Que le prisonnier Claudius Valerius m'accompagne. Ce sera comme tu voudras. Claudius. Allez, partez vite. Dépêchez-vous. Vous trouverez un cheval hors de l'enceinte. Merci. Ne me remercie pas. Souviens-toi. Même si tu dois être torturé, tu n'as rien vu. Rien entendu. N'en doute pas, Aurène. Qu'est devenue Clélia? J'aurais voulu qu'elle nous accompagne, mais elle a préféré se sacrifier pour faciliter notre fuite. Pauvre Clélia. Claudius, les Éduains ont trahi César. Vercingétorix doit attaquer avant l'arrivée de Titus Asius. Comment ferons-nous pour avertir César? Nous avons couvert une grande distance. Si nous pouvions rejoindre Titus Asius, tout peut être sauvé. Ah, oh, que les dieux nous aident. Nous n'avons pas une minute à perdre. Tu as raison, pas oui, une minute. Voici Alésia. Marcus Labienus protégera le flanc gauche. Titus Cestius sur la droite. La cavalerie derrière la colline. Et toi, tu commanderas les fondeurs.
seconde légion. En avant! Labienus te fait dire que son aile gauche résiste pour la gloire de Rome. César, Titus Exus te demande s'il peut passer à la contre-attaque. Non, il attend encore. Donnez le signal aux Éduains. Allez, envoie le signal. Ordre de César. Très bien. Tu m'as fait appeler? Va soutenir Titus Sextus à droite. As-tu envoyé le signal aux Éduains? Oui. Chargez! Regarde, César! Les Éduains nous attaquent, c'est une trahison! J'en étais sûr. Envoyez tout de suite les deux cohortes de réserve. Repose-toi, mon fils. Oh, César. C'est toi, c'est bien toi, notre chef bien-aimé, c'est vraiment toi. Reçois les mains. Je rêvais. Je rêvais que nous rentrions à Rome le jour de ton triomphe. À boire.
J'ai été blessé à l'épaule, César. Ce n'est pas parce que je fuyais. Je luttais, seul contre 10. Regarde ma poitrine, elle a toujours été tournée du côté de l'ennemi. Tu seras récompensé. Je te suis reconnaissant, César. Ils sont si nombreux que la nuit entière ne suffirait pas à les compter. Nous avons été trahis par les Éduins. Ils ont suivi le plus fort. C'est la fin, Marc-Antoine. Si seulement nous pouvions tenir un jour de plus. Titus Azius est encore loin. Sa marche est ralentie par les chariots de vivres. Il ignore tout encore. Il arrivera trop tard, j'en suis sûr. J'en suis certain. Regarde, c'est une nuit sans étoiles. Noire comme le deuil, c'est la nuit de notre défaite. Mais le vainqueur ne saura pas utiliser sa victoire, car Rome seul en est capable. Il n'y a que Rome qui puisse imposer ses lois dans un monde civilisé. Nous sommes les défricheurs, Antoine. Et l'avenir est à nous. Pourquoi as-tu refusé de lancer les réserves que tu avais gardées? Demain, elles nous sont utiles. En dernière extrémité. C'est ainsi. Les cavaliers éduins se sont retournés contre nous. Voilà pourquoi il faut te porter immédiatement au secours de César. Caius Marius, à tes ordres. Et l'on s'apprête à lever le camp le plus vite possible. Nous devons rejoindre César dans la plaine d'Alésia. L'équipement lourd, les chariots de vivres, tout ce qui pourrait nous ralentir restera sur place. Va. Nous partirons dans une heure. Allez! Deuxième et troisième centurie, en marche!
L'aile droite est sur le point de céder. Que l'on déplace la garde qui opère sur le centre. Toi, va renforcer les cohortes qui sont à l'extrême droite. La cavalerie en renfort. Sur la gauche. Antoine. Toi, Brutus, prends ce qui reste de la cavalerie. Je prends la tête des légionnaires. Voici le jour de ton triomphe, César.
J'ai combattu pour la liberté de la Gaule et j'ai perdu. Je ne veux aucune clémence pour moi, mais sois généreux pour mon peuple. En avant, marche! J'ai combattu, j'ai gagné. Mais je n'ai pas conquis l'âme des hommes, car elle est indomptable et aussi insaisissable que les nuages dans le ciel.